Bonjour, je m'appelle Frédéric Barraud, je suis chercheur à l'INSERM au sein de l'Institut de recherche en santé digestive à Toulouse. J'anime une équipe de recherche sur les interactions entre l'environnement et l'épithélium intestinal. Le projet de recherche pour lequel l'association François Petit m'apporte son soutien a pour but d'étudier les conséquences à long terme, c'est-à-dire chez le sujet adulte, d'une exposition à certains additifs alimentaires que sont les nanoparticules de titane. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces nanoparticules de titane ont la particularité de pouvoir franchir le placenta et de pouvoir s'accumuler dans le lait maternel pour altérer au moment du développement l'intestin et qu'ensuite, chez le sujet adulte, cet intestin fonctionne mal et pourrait être prédisposé à faire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Xavier Tréton, je suis gastro-entérologue à l'hôpital Beaujon et je remercie donc l'APA de nous avoir soutenus dans ce projet de financement d'une étude sur l'hypnose dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. C'est un projet que je vais faire avec le docteur Laurent Bucchini, qui est spécialiste de la douleur dans le pôle des maladies digestives de l'hôpital Beaujon et qui est hypnothérapeute. En fait, le projet, il vient du fait que bon nombre de patients avec une MIQI, qu'elle soit active ou non, se plaignent de symptômes et de retentissements importants de leur qualité de vie et donc vont avoir recours à des médecines parallèles dont on ne sait pas si elles sont réellement efficaces. En revanche, l'hypnose a déjà fait l'objet d'évaluations scientifiques rigoureuses pour certains nombres de pathologies, notamment les douleurs et les douleurs digestives. Et donc, on a voulu proposer une étude originale contre placebo avec de l'hypnose et une fausse hypnose pour savoir si les patients qui avaient des douleurs abdominales associées à leur MIQI pouvaient bénéficier de ce type d'approche non médicamenteuse. Et donc, on espère pouvoir vous donner les résultats d'ici 2 ans et de trancher définitivement est-ce que c'est une technique utile ou pas dont les patients pourraient bénéficier. Et je remercie beaucoup l'AFA de nous soutenir dans ce sens. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jérémy Denisot, je suis enseignant-chercheur au laboratoire M2ISH, INSERM UDI71, qui est dirigé par le professeur Nicolas Barniche à Clermont-Ferrand. Donc, mon projet de recherche, qui vient d'être soutenu par l'AFA, a pour but d'identifier les mécanismes qui pourraient expliquer pourquoi les patients atteints de maladie de Crohn sont plus souvent colonisés par des Escherichia coli adhérents et invasifs, qui sont des bactéries pro-inflammatoires, que les sujets sains. Donc, notre hypothèse, c'est que les cellules intestinales des patients présentent des altérations dans des protéines qu'on appelle histone désacétylase, qui sont des régulateurs globaux de l'expression des gènes, ce qui mène à l'expression anormale d'un grand nombre de gènes chez les patients et qui favorise l'installation de ces bactéries. Comprendre les mécanismes qui favorisent l'implantation de ces bactéries chez les patients permettrait de proposer à plus long terme de nouvelles cibles thérapeutiques pour éliminer ces bactéries et éviter les rechutes et améliorer la qualité de vie des patients. Voilà, merci à tous pour votre soutien et bonne journée. Bonjour, je m'appelle Flora Clément, je suis chercheuse contractuelle au sein de l'équipe Biomix, dirigée par le docteur Xavier Gidrolle au CEA à Grenoble. Notre laboratoire travaille actuellement sur le développement de petits ARN interférents thérapeutiques qui ciblent les Janus kinases, les JAK, pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Vous le savez probablement, les traitements qui ont le vent en poupe actuellement, ce sont les inhibiteurs kinases des JAK, comme par exemple le tofacitinib. Malheureusement, ces inhibiteurs peuvent présenter des effets indésirables et aussi peuvent avoir des effets secondaires. Pour pallier cela, nous avons développé de nouvelles molécules ultra spécifiques qui fonctionnent à très faible dose et durant plusieurs jours. Elles vont bloquer directement l'expression des gènes qui codent pour les JAK. Nous souhaitons désormais valider l'ensemble des phases précliniques afin d'amener ces nouvelles thérapies directement en essai clinique le plus rapidement possible. Pour cela, et grâce à la contribution de l'association François Petit, nous allons tester nos molécules directement sur des tissus issus de patients via des biopsies, grâce à une collaboration étroite avec le CHU Grenoble-Alpes. Merci. Bonjour à tous. Donc, je tenais à remercier l'association AFA pour l'obtention de cette bourse. Donc, je m'intéresse à la thématique de l'obésité. Donc, je m'appelle Rachel Marion Letellier.
Je travaille dans l'unité INSERM UMR 1073 à Rouen et je m'intéresse à l'obésité parce que c'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente chez les patients atteints de MICI et on sait que cette pathologie est associée à une augmentation du nombre de complications comme le recours à la chirurgie ou des résistances aux biothérapies. Et en fait, je voudrais savoir si l'obésité augmente également le risque de développer une fibrose intestinale. Donc, cette étude sera faite dans des modèles précliniques et donc cela pourrait apporter aux patients de mieux comprendre l'interaction entre l'alimentation et la fibrose intestinale. Et ça pourrait également permettre d'avoir un rationnel scientifique pour une meilleure prise en charge nutritionnelle des patients MICI. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je suis Philippe Seixic, à l'hôpital Saint-Antoine, dans le centre de recherche Saint-Antoine, et je voulais dire merci à l'AFA de soutenir la recherche et notre projet. Je pourrais passer plus d'une minute à vous remercier, mais je vais vous parler de ce projet qui nous est très cher, puisque depuis quelques années, nous nous intéressons aux réseaux sociaux dans l'intestin, c'est-à-dire les molécules qui permettent aux bactéries de dialoguer entre elles, et vous savez qu'au laboratoire, on s'intéresse énormément aux liens entre le microbiote et les voies de l'inflammation intestinale. Alors, ces molécules de dialogue interbactérien, du réseau social qu'on appelle le quorum sensing, ont à la fois un rôle sur les bactéries, bien sûr, puisqu'elles permettent de communiquer entre elles, mais aussi sur l'hôte. Et nous avons passé ces dernières années à nous intéresser au rôle de ces molécules sur les voies de l'inflammation. Et le sujet actuel pour lequel l'AFA nous soutient, et d'évaluer le rôle de ces molécules dans le dialogue de ces bactéries, voir si l'on peut jouer, si l'on peut augmenter certains groupes, faire progresser certaines bactéries grâce à ces molécules du dialogue interbactérien. Et nous allons faire ça sur des modèles murins, des modèles de souris qui seront nourris avec ce type de molécules. Et j'espère que nous pourrons ainsi moduler le microbiote intestinal et restaurer un certain équilibre, une certaine normobiose. Merci. Bonjour à tous, je suis Lucine Vuitton, je suis gastro-entérologue spécialiste des MICI au CHU de Besançon et j'aimerais vous présenter le projet MICI-Rhin. Alors le projet MICI-Rhin, il vient de l'expérience qu'on a avec les néphrologues. On s'est aperçu qu'on suit beaucoup de patients communs qui ont à la fois une MICI et qui sont transplantés du rein. Donc, on s'est demandé, est-ce que c'est plus fréquent les maladies sévères du rein quand on a une MICI ? Effectivement, dans la littérature, c'est un petit peu suggéré, mais ce n'est pas clair. Alors, notre idée, c'est de faire une étude en population, sur toute la population française, pour savoir est-ce que déjà, c'est plus fréquent d'être transplanté du rein quand on a une MICI, et est-ce que c'est plus sévère ? Et alors après, quand on est transplanté du rein, le problème, c'est qu'on a des médicaments anti-rejet, des immunosuppresseurs, et on va en avoir besoin aussi, et ce n'est pas les mêmes, pour la MICI, notamment, par exemple, les biothérapies, les anti-TNF. Donc, l'autre objectif de l'étude, c'est de regarder si le fait d'avoir des immunosuppresseurs anti-rejet et une biothérapie, ça amène à plus de risques, notamment d'infection, de cancer, de décès. La méthode, on va prendre les données de santé de la base de données de la Sécurité sociale pour récupérer les cas de transplantation rénale en France et de MICI, et on va étudier les questions dont je vous ai parlé. Notre équipe, c'est les gastro-entérologues du CHU de Besançon, les néphrologues et transplanteurs du CHU de Besançon et l'équipe de méthodologie du Centre d'investigation clinique de Besançon. Et je remercie vivement l'AFA de nous aider et de financer cette étude.